Les variables pour stocker des informations dans la mémoire de l'ordinateur, donc les variables ont des types, à savoir la nature de l'information, et puis une valeur, la valeur que la machine doit mémoriser. Le premier type que j'ai vu ici, le premier exemple, c'est ici, les valeurs logiques. Si une variable est vraie ou faux, c'est qu'il y a deux possibilités, c'est une valeur logique. Là, j'ai pris, là, est-ce que la lumière est allumée, vrai ou faux, comme on me voit, c'est que la lumière est allumée. Enfin, les nombres entiers, ici, on a l'âge du capitaine, j'ai mis la valeur 47. Les types caractères, donc simplement les lettres de l'alphabet, les chiffres, enfin tout ce que vous avez sur votre clavier d'ordinateur. Là, j'ai mis un H comme par exemple le capitaine Haddock. Les nombres réels. Là, j'ai mis trois exemples pour pouvoir vous donner un petit peu de calcul en fait. Les nombres réels, c'est les nombres avec les décimales, avec éventuellement les puissances de 10 si on veut des très grands nombres. J'ai mis une largeur, une longueur et puis une surface que l'on va calculer. La valeur est encore inconnue. Après avoir fait ça, on va voir trois exemples avec trois programmes dans trois langages différents. Le premier langage, ce sera le Pascal. Le Pascal est un langage qui a été inventé précisément pour la pédagogie par un prof. Ça fait longtemps, je ne me souviens plus son nom. Et puis au final, on a un langage assez descriptif, très restrictif aussi. On ne peut pas faire ce qu'on veut, puis il nous donne beaucoup d'erreurs si on ne respecte pas les règles. Toujours est-il que c'est très clair. Alors on a par exemple la lumière allumée. Booléen pour dire que c'est une variable logique. Et puis l'âge du capitaine, qui est un nombre entier, l'initiale du capitaine, un caractère. Et puis enfin la longueur, la largeur et la surface, qui sont des nombres réels, qu'on écrit float. La lumière allumée, on la met à la valeur vraie. Là, c'est deux points égaux pour mettre vrai en anglais. H du capitaine 47, initiale H, enfin bref, le dernier qu'il faut remarquer, c'est surface, c'est calculé avec largeur fois longueur, une petite étoile qui signifie ici la multiplication. Avec le langage C est un petit peu plus simpliste, il permet de faire beaucoup plus de choses, il est plus libertaire, donc on peut faire beaucoup d'erreurs sans s'en rendre compte. Et puis c'est difficile à débugger une fois on n'est pas spécialiste puis qu'on ne trouve pas les causes d'erreur. Pas facilement en tout cas. Alors là, par exemple, pour les nombres entiers, on écrit int, puis ensuite deux points, et puis la variable lumière allumée, puis ensuite 1. Tiens, c'est bizarre, 1 pour dire vrai. Oui, effectivement, le C utilise les entiers pour les valeurs logiques. 1 qui signifie vrai, puis le 0 qui signifie faux. Toutes les valeurs autres que 1, 2, 3, 5. Elle signifie toutes que c'est vrai. Enfin, l'âge du capitaine, là j'ai mis 47. Enfin, caractère, j'ai mis H ici. Les nombres réels, je les déclare ici, les trois. Et puis pour mettre les valeurs, alors je mets largeur 31, 32,01, pardon, etc. Puis la multiplication pour la surface, je la mets ici. Voilà, le troisième langage, c'est un langage qui a été inventé pour essayer de faire le plus simple possible, pour faciliter la vie du programmeur. On n'a pas besoin de déclarer le type des variables. Donc on peut donc par exemple changer le type des variables en cours de route pendant le programme. Et puis on n'a pas de point-virgule inutile. Bref, on simplifie au plus vite. On écrit au plus vite. Alors là, on a une lumière allumée de point égal true, donc la valeur vraie. H du capitaine 47, il déduit tout seul que c'est un logique, ici que c'est un nombre entier, ici il déduit tout seul que c'est une lettre, donc un caractère, ici un nombre réel parce qu'il y a une décimale, et puis la dernière, on dit même pas, mais comme il multiplie deux nombres réels entre eux, il veut tout de suite deviner que surface c'est un nombre réel également. Voilà, je crois qu'on en a assez vu pour nos premiers exemples. Merci de m'avoir écouté.